Salut à tous, c'est Aza, on se retrouve sur Tower Unit. Petite présentation du jeu. Donc Tower Unit s'est inspiré d'un mod, de Garry's Mod, qui est en fait une salle de jeu. Voilà, le principe c'est une salle de jeu, les joueurs peuvent personnaliser leur appart, il y a des salles de cinéma, on peut jouer à plusieurs jeux avec des amis, etc. C'est une sorte de social game un peu particulier. En tout cas, voilà, petite présentation, on va se faire un petit mini-golf, ça va être génial. Par contre, oui, je parle pas trop fort, vu que je... voilà. Je suis pas tout seul. Donc, petit mini-golf, pour vous montrer un peu un des jeux disponibles. J'ai pas trop personnalisé mon chez-moi dans le jeu, étant donné que je ne sais pas comment on fait. je suis pas doué, donc voilà. On va se faire un petit mini-golf. C'est la vidéo de la détente. Écoutez cette musique, fermez les yeux, et c'est parti. Alors, avec un peu de place s'il vous plaît, tiens, voilà, il y a trois joueurs, ça devrait le faire. Ah, les chargements font un peu peur. Ah bah d'accord, hurry up, mais oui, mais c'est quoi ce parcours? Oh, ah non. Bon, attends. Vous n'avez rien vu. Rien du tout. C'est une passade. Voilà, je ne connais pas le parcours. Ah, là, là, je peux voir le parcours. Du coup, je serai un peu plus... Ok, quelqu'un qui m'ajoute dans sa liste d'amis, je ne le connais pas. Voilà, c'est exactement ça qu'il fallait faire. J'ai très bien joué, là. Là, franchement... Je suis sûr d'avoir le world record. Mais non, mais tête de... Oh non, non, mais... Attends, non, mais... D'habitude, d'habitude, j'y arrive nickel. Là, je suis en vidéo, forcément, je fais de la merde. Sinon, ce n'est pas drôle. Voilà. Putain. Allez, dans le trou. Normalement, il y a des applaudissements, des trucs comme ça. Là, j'ai fait tellement des scores pourris que c'est des mecs qui toussent. C'est n'importe quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Ah, ils ont ajouté les nouveaux parcours. D'accord. Oh là là. Ah. Là, il y a quand même un niveau un peu plus correct. Le slide. Tac. Et là, je la mets direct. Je la mets direct. Pareil, combien je la mets direct? Est-ce que je vais avoir droit au par? Nice shot! Merci. Alors vous voyez, ça c'est le genre de jeu qui est tout à fait passionnant. C'est con, mais on peut y rester des heures comme ça. Avec les petites musiques là. Qu'est-ce que... Ah, j'ai même pas regardé le parcours. Là, je fais le con, puis...
Oh bah loot, direct dedans quoi. Ah, j'avais le choix de tomber sur celui du milieu. Et celui du milieu, voilà. À mon avis, t'es direct... direct dans le bon endroit, quoi. Et t'aurais pu le faire en un coup, je pense. Je pense qu'il y a moyen de le faire en un coup. Ouais, carrément moyen de le faire en un coup, c'est dommage. C'est fort dommage. Ah voilà, il y en a un qui l'a fait en un coup. Alors, est-ce que celui-là va réussir? Non. Voilà, c'est complètement du pif, parce que le tube, tu le vois pas douter quand tu commences. Donc forcément. Mais il y en a un qui est arrivé. Et donc voilà, là, en jouant, en fait, on gagne de l'argent qui sert à meubler son appart. À mettre des télés, des trucs d'arcade et tout. Et tout ça, ça sert à interagir avec les joueurs. Par exemple, sur la télé, vous pouvez mettre des vidéos YouTube. Voilà, il y a plein de choses. Ah voilà, voilà, là c'est pareil, c'est du pif. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Carrément du pif, quoi. Oh, j'ai fait de la merde. Oh là là, ça aurait pu. Ça aurait pu, mais ça ne l'est pas. Ça va. Il y a mieux, mais il y a pire. Là, j'attends la sortie. Rien à voir, hein. Rien à voir. J'attends la sortie de Stellaris avec impatience. Qui sort ce soir. Ça va être grandiose. Oh là là, faut que j'arrive à arriver au milieu. Ça va être chaud, ça. Oh mon dieu. Oh là là, je serai arrivé au milieu. Je pense que j'aurais fait le one shot. Mais voilà, c'est... Pardon. Putain, j'aurais fait le one shot. Birdie. Alors là, je le vois d'ici, je vous vois chez vous. Et je sais que vous êtes en train de vous amuser. Comme des petits fous. Et que vous kiffez ce moment. Là, vous êtes devant un grand moment du jeu vidéo. C'est historique. Attends, il y a un mec là. Mais dis pas qu'il est coincé dans le tube. What? C'est pas de bol, ça. Dis donc. T'es un petit peu coincé, toi. C'est la première fois que je vois ça. Hein. C'est très étrange. Mais maniez-vous, quoi. Mais attends, c'est qui galère comme ça? C'est lui? Ah, il y en a un autre encore. Bah, je vais pas me moquer parce que... Ah! Bah voilà, c'est fini. Il reste encore 5 trous. Alors, on calcule si j'arrive ici. Oh non, mais je suis con, je... Oh, je pointe le... C'est pas grave. Alors là, attention. Il faut y aller. Oh, putain.
J'aurais pu. Non mais t'es sérieux? Non. Ah non, là il y a de l'abus. Là par contre il y a de l'abus. Là il y a de l'abus. On voit. Direct dedans. Non mais là il y a de l'abus quoi. Démon X. Il y a du monde qui est arrivé là. On était que 4 tout à l'heure. Tu te fous de moi? Non, non, mais... Non, mais tu te fous de moi, en plus j'ai rebondi. Non, non, non. Là, par contre, il y a quelque chose qui s'acharne sur moi. Ce n'est pas... Ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. N'importe quoi. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Je suis le dernier, c'est ça? Les gens, ils attendent, ils m'attendent. En fait, là, les gens m'attendent pour que je finisse, tu vois. Donc là, ils sont en train d'attendre. Ah, les gens tous. C'est... Ouais. C'est pas glorieux. Le trou 16, après plus que 2 trous. Alors, qu'est-ce que c'est que ce parcours? Alors là, il y a moyen de one-shot aussi. Est-ce qu'il y en a un qui va réussir le one-shot? Oui. Oh là là là. Ah non. Ah si? Ah non. Bon, allez, on y va. Le par est de 2 coups, quoi. Ben oui. Je sais bien que c'est un truc facile, mais... Nice shot. Ils auraient pu faire un cadeau, quoi. Trou 17. Oh, 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 oui, oui, oui. Ouh, je crois qu'il y a un... Il y a moyen aussi, là. Il y a moyen aussi là, je crois. Hein. La grâce. La victoire d'un homme. Oh la vache. Ce n'est pas du tout de la chance. Ce n'est pas du tout un coup de bol. Ça s'appelle le talent, ça, messieurs. Oh, les noirs. Non, c'était ce... Ouais, non, c'était gros coup de bol, quoi. J'ai tiré au pif, en plus. Alors. Allez, on va tirer comme ça, on verra si ça passe. Et voilà, voilà, voilà. Je vais être ralenti, voilà. Quoique. Si on a un... Ah ouais, non, j'allais dire si on a un qui le fait du premier coup, quoi. Le par est de 2 coups. Mais non.
Oh, mais voilà. Bien joué, Galagan. Ah, les petits applaudissements. Ouais. Ah bah c'est fini. Bah voilà. Merci d'avoir joué. La partie de golf est terminée. Hostas Closet Connection, c'est normal. Les gens retournent au Plaza. Donc je vais vous montrer un peu le Plaza juste avant de se déconnecter. C'est un peu le hub social. N'est-ce pas? Pas forcément avec du monde, hein, on s'en fout. On va aller là, tiens. C'est ici que les gens se réunissent pour passer de bons moments. En gros, c'est les gens se connectent dessus et c'est de là que tu peux faire des parties. T'as même des salles de cinéma où tu peux projeter des vidéos de YouTube ou de Dailymotion, etc. Et ils ont prévu d'ouvrir plein de trucs, genre une salle d'arcade. Il y avait quoi d'autre? Un bowling. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc moi je dis, il y a moyen quand même de s'amuser. Bon, pour l'instant c'est un accès anticipé, donc forcément. Il y a 4 jeux. 4 jeux. Dont le mini-golf, c'est celui auquel je joue le plus. Et là, ça ne se connecte pas, c'est complètement planté. Voilà, donc je pense qu'on va séparer ici. Donc c'était Tower Unit, un jeu dans lequel on s'amuse, et encore heureux, parce que c'est fait pour ça. Non, là c'était juste pour vous présenter le mini-golf, parce que c'est assez sympa le mini-golf quand même. T'as aussi la course de balles, où les joueurs sont dans des espèces de boules d'hamster en fait. T'as aussi Virus, c'est un mode FPS zombie, voilà, le joueur zombie contamine les autres joueurs, etc. Et t'en as un autre que je n'ai jamais fait parce qu'il n'y a personne dessus. Pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Donc moi je vous laisse ici. Vous faites encore merci d'avoir été aussi nombreux sur le live et d'être resté. C'était sympa. Et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations de jeux. Bon là c'était vraiment une vidéo. Voilà, on se prend pas la tête. Je l'avoue. Mais je ferai du Aurora Dusk en plus. Et je présenterai aussi l'ancien jeu de Seal, donc le développeur de... Ah bah si, ça y est, je suis connecté. L'ancien jeu, le précurseur d'Aurora Dusk, je le présenterai aussi, qui s'appelle Vendetta, et qui est moultement stylé. Il y a un cycle jour-nuit en plus là-dedans, c'est fou. Voilà, voilà, on est connecté ici, là je suis tout seul. Mais voilà, ils ont aussi prévu de mettre un casino, il y a des machines à sous, il y aura des jeux de cartes. Là c'est le truc de jeu, salle d'arcade, le théâtre. Donc le théâtre, pour ceux qui connaissent le mode theater ou le mode cinéma de Garry's Mod, ils vont tout de suite reconnaître. Voilà, là vous connaissez. Là vous connaissez, là vous prenez vos marques. Là vous vous souvenez de ça. Là il y a des vendeurs. Ouais, belle tête de vainqueur. On peut foutre la zone. Shop. Mais il n'y a rien dans les shops pour l'instant. Hein, c'est plein de trucs à implémenter. Voilà. Ils ont mis des marques. C'est des contrefaçons chinoises. Cola. Pepper. Pipsé. Bref, je vous laisse ici. Merci à tous. Et à la prochaine. Les vidéos de Stellaris en approche. Pour parler un peu du jeu, tout ça. Et voilà quoi. À bientôt.
Je ne comprends rien. Bref, c'était Azarath. Salut tout le monde. À la prochaine.